Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Il nous voit pas. Je tire. Attends mon signal. Est-ce qu'on va les attaquer? Atreus, concentre-toi! Aider? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. On dirait qu'il y a un coffre là-bas. Wow, comment t'as fait ça? Je pense qu'on peut aller par ici. Vas-y. Merci. Voilà la montagne! Allons-y! Attends. Accroche-toi! Vite! Je glisse! Reste calme! J'y suis presque! C'était pas si mal? Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. N'oublie pas, ta précision avant la vitesse.
c'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Regarde ça. Nissa ! Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Au-dessus de nous ! Quelque chose brise le mur ! Il y a quelque chose derrière le mur ! Tu entends ? Qu'est-ce que c'est ? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais qu'est-ce que c'est ? On s'approche du champ bizarre, alors ? Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi.
Corran de ce côté. Ça dit que son nom est Rungnir. Ner m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le Serpent Monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. L'idiot. Là, regarde. Bien. J'ai déjà vu ce langage. C'est quoi ça là-bas? Plus tôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout.
ça là-bas. Atreus, avec moi. Tous ces morts, tu penses qu'on sera en sécurité? Je pense que c'est plus sûr ici. Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie! Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ce n'est qu'un homme. N'oubliez pas! Il nous le faut vivant! Atreus! Atreus! Je m'en occupe. D'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Ici. Trouve un moyen de me hisser. D'accord.
Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles ? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Raison. Tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non ? Elle a un nom ? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi ? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère, une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esquinter. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non ? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir.
Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Y'a de la place pour moi? Ouais, tant que tu caches rien. Tu sens la différence? C'est passable. Passable. Tu sais ce qui est passable? Dans ce job, t'as marché dans la bouse? Ce chemin, il mène à la montagne. La bonne direction, oui. Tu veux rejeter un œil à ma marchandise? Viens. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et si je l'appelais Grand Chauve Ingrat? Hé, Grand Chauve Ingrat, viens là! Ça me plaît bien! Soyez prudent là-dedans. Cet endroit vous fera pas de cadeau. Je pense qu'on peut aller par ici. Ah! Par ici. Pas très accueillant. Attends-moi ici. J'arrive.
J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens.